بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ومرحبا بالجميع، ورمضان مبارك للجميع. قبل أن أبدأ في تقديم محاضراتي التي تندرج ضمن فعاليات شهر التراث 2020، أود أن أتقدم بتشكراتي الخالصة للزميلين توفيق سلامي أركيولوج والزميل بوحزام مصباح مدير متحف جميلة على هذه الدعوة الطيبة، كما أتمنى للجميع مشاركة واستفادة طيبة من هذه المحاضرات. Ma première conférence est donc intitulée « La datation des objets à base de terre cuite par technique de thermoluminescence ». Durant cette conférence, donc, je vais introduire le sujet pour ensuite vous parler des méthodes de datation archéologique dans leur aspect général. En troisième lieu, je vais présenter la technique de datation par thermoluminescence à travers un exemple pratique que j'ai moi-même effectué durant ma formation, et je vais terminer par des conclusions. Comme introduction, je tiens tout d'abord à définir la datation. Donc la datation n'est autre que l'attribution d'une date. Elle s'applique à un événement, un objet, un document, un fossile, une couche géologique ou encore un niveau archéologique. Elle indique généralement la démarche, scientifique ou non, qui consiste à déterminer l'intervalle de temps séparant l'élément daté du temps présent. L'histoire de la datation avec les méthodes radiochronologiques a commencé en fait en 1950 par un fameux scientifique, Willard Frank Libby. C'est un chimiste physicien américain et connu, très connu même, par son rôle dans le développement de la méthode de datation par le carbone 14 qui a révolutionné en quelque sorte l'archéologie. Ses travaux lui ont valu le prix Nobel de chimie en 1960. Et à partir de ses travaux en 1950, l'appellation « before present » prend alors tout son sens, si donc l'histoire avant 1950. Je vais maintenant vous parler des méthodes de datation dans leur aspect général. Les méthodes de datation archéologiques, en fait, elles sont regroupées en deux catégories. Il y a les méthodes absolues, ce qu'on appelle les méthodes de chronologie. Pardon, il y a les méthodes relatives, ce qu'on appelle les méthodes de chronologie relative. Il y a les méthodes absolues, donc appelées souvent méthodes de chronologie absolue. Donc, pour les méthodes de chronologie relative, ces méthodes-là ne datent pas directement les faits archéologiques. Mais en fait, ces méthodes les insèrent dans des séries à signification chronologique. Ceci veut dire qu'elles sont donc fondées sur des successions qui s'expriment en termes de comparaison de type plus vieux que, plus récent que, antérieur à, postérieur à. Donc, pour ces méthodes-là, on date un objet par rapport à un autre, un événement par rapport à un autre, bien sûr un événement historique. Donc, c'est une datation relative. On cite ici des exemples de datation relative comme la stratigraphie et la typologie. Par contre, les méthodes de datation absolue, ou bien les chronologies absolues, à l'opposé des chronologies relatives, ces méthodes-là ne comparent pas les événements archéologiques, mais qualifient directement chacun d'entre eux. Elles s'exprimeront donc en données chiffrées, en dates précises. Des exemples de datation absolue, on cite ici la radiochronologie, la dendrochronologie et l'archéomagnétisme. Et bien sûr, la méthode que nous allons voir dans le cadre de cette conférence, qui est la datation par thermoluminescence. Mais avant de s'étaler sur notre sujet, une question qui m'a été toujours posée et qui concerne le choix de la méthode de datation.
En fait, le choix de la méthode qu'on peut employer pour dater un objet ou bien un événement historique dépend essentiellement de deux facteurs. Un, le type du matériel présent sur le site archéologique et deux, la problématique archéologique. Donc, le choix de la méthode à utiliser dépend du matériel existant sur le site et de la problématique archéologique en elle-même. Je vais maintenant commencer par vous donner des exemples de méthodes de datation relatives. Je vais vous donner les principales, en commençant par la stratigraphie. La stratigraphie, c'est une technique de datation relative qui s'applique aux couches archéologiques. Elle permet de dater jusqu'à 200 millions d'années et plus. Cette technique de datation n'est pas précise et permet juste d'établir des rapports d'antériorité, postériorité et contemporanéité. Une deuxième méthode de datation relative que je voudrais présenter ici comme exemple est la typochronologie. Donc la typochronologie, elle est appliquée à tout objet fabriqué par l'homme. Ici, la datation se base sur la comparaison des formes des objets, leur décor, leur couleur, leur architecture, pour les placer dans leur contexte chronologique et historique réel. Cette méthode permet de dater jusqu'à 3,3 millions d'années. C'est une méthode très précise pour les pièces de monnaie, parce que les pièces de monnaie, généralement, sont gravées. Il y a des gravures de tête d'empereur. C'est-à-dire il y a des indications qui permettent quand même de situer la pièce de monnaie dans son contexte chronologique. Mais elles sont moins précises pour ce qui est de la silex taille. Une troisième méthode de datation relative très connue et très utilisée par les archéologues, c'est la méthode du paléomagnétisme ou bien de l'archéomagnétisme. Cette méthode est appliquée à tout matériau magnétique, comme la magnétite par exemple, et permet de dater jusqu'à 100 millions d'années. Elle se base sur l'utilisation du champ magnétique et principalement sur le fait que le champ magnétique s'inverse de temps à autre, mais les inversions ne sont pas bien connues, c'est-à-dire dans l'âge géologique de la Terre, et c'est pour ça que cette méthode nécessite le recours à d'autres méthodes pour valider leurs résultats, comme on peut aussi utiliser des méthodes comme la stratigraphie ou bien des méthodes de datation absolue pour valider le résultat qu'on obtient généralement par cette méthode de paléomagnétisme. Et ici, je vais vous présenter un exemple que vous connaissez tous. C'est le travail donc, de datation. Mais avant de présenter cet exemple, je tiens donc à expliquer en fait ce que c'est cette magnétoscopie. Donc la magnétostratigraphie est une approche stratigraphique basée sur la connaissance des magnétozones. Donc les magnétozones, en fait, ce sont des couches géologiques qui répondent au champ magnétique de la Terre. Ces ensembles sédimentaires, on les appelle les diachrones, elles portent un signal paléomagnétique. Le champ, cette méthode est basée sur l'utilisation donc, ou l'exploitation des propriétés du champ magnétique de la Terre. En fait, le champ magnétique terrestre connaît des inversions de polarité plus ou moins fréquentes à l'échelle des temps géologiques. Qu'est-ce que c'est cette inversion? On va voir. Donc, on sait bien que la Terre dispose donc d'un axe de rotation qui lie le pôle sud géographique vers le pôle nord géographique. La Terre aussi, elle est dotée d'un champ magnétique
qui se dirige en fait d'un pôle magnétique sud vers un pôle magnétique nord. Donc l'axe du champ magnétique se dirige du sud vers le nord, mais il est légèrement décalé par rapport à l'axe de rotation de la Terre. Donc ceci étant bien connu. Maintenant, les scientifiques au début du XXe siècle ont constaté un phénomène assez étrange. Donc ils ont constaté que le champ magnétique de la Terre, en fait, a subi plusieurs inversions pendant l'histoire de la Terre. Donc, il a subi des inversions. Donc, ces inversions, donc, le pôle nord devient pôle sud, le pôle sud devient pôle nord. Et ces inversions-là, à chaque fois, influencent et interfèrent avec la couche superficielle géologique. Et il l'imprègne par l'orientation du champ magnétique. En fait, les inversions, toutes les inversions qui ont lieu dans les 200 millions dernières années ont été donc révélées par les scientifiques. Une carte de temps des inversions magnétiques a été établie avec une grande précision. Et on estime le nombre d'inversions et d'excursions. Excursion, ça veut dire quoi? L'inversion, enfin, les inversions complètes, ça veut dire que la polarisation, elle est complète. C'est-à-dire que le pôle nord devient pôle sud, le pôle sud devient pôle nord. Et les excursions, ce sont en fait des inversions du champ magnétique partielles. Donc, on estime le nombre d'excursions et d'inversions magnétiques complètes du champ magnétique de la Terre pendant les 200 millions d'années à 300. Donc, il y a eu 300 excursions et inversions du champ magnétique de la Terre et qui ont tous imprégné, influencé certaines couches géologiques du globe. Et bien sûr, ce phénomène-là a pu être exploité pour dater en fait ces couches géologiques. Donc, en magnétostratigraphie ou bien en archéomagnétisme, pendant l'inversion du champ magnétique, les matériaux magnétiques suivent le sens du champ magnétique terrestre au moment où ils ont été chauffés ou déposés. Donc, en fait, la matière, surtout la matière magnétique qui est présente dans les couches stratigraphiques, lors d'inversion de champ magnétique, cette matière-là, elle va suivre le champ, la nouvelle orientation du champ. Donc, on aura en quelque sorte une indication. Donc, ainsi, la dernière organisation magnétique interne spécifique des matériaux d'une couche stratigraphique à base de matériaux magnétiques est ainsi mémorisée pendant toute inversion dans l'histoire. Ces inversions ont été enregistrées dans les sédiments et les minéraux magnétiques et deviennent ce qu'on appelle des indicateurs des époques d'inversion. Donc, pour chaque inversion, il y a eu un enregistrement, l'enregistrement demeure et devient un indicateur de l'époque de l'inversion du champ magnétique. Donc, ces indicateurs-là permettent d'affiner la chronologie des étages de fossiles et d'autres événements géologiques ayant laissé des traces, et ce qui permet de faire de la datation. Je passe maintenant à l'exemple dont je vous ai parlé tout à l'heure, donc l'exemple de datation par cette technique de magnétostratigraphie. C'est un exemple que vous connaissez tous. Il a été réalisé par l'équipe de Mohamed Sahnouni sur le site de Ain Bouchred. Donc, je félicite les auteurs de ce travail assez important. Donc, dans ce travail, cette équipe a permis d'évaluer les objets qu'ils ont trouvés autour du site. Ils ont pu, en fait, réussir à dater tous les objets qu'ils ont trouvés entre 1,9 million d'années et 2,9 millions d'années. Donc, ce site est très ancien. Donc, c'est un résultat quand même
assez intéressant et qui a été en fait publié dans la revue très connue, la revue Science. Donc, mais ce qui nous intéresse ici est l'approche qui a été adoptée par cette équipe de chercheurs pour en fait dater le site. Donc, on a dit tout à l'heure que la magnétostratigraphie ne suffit pas elle seule pour dater un site et nécessite le recours ou bien l'utilisation de d'autres méthodes pour confirmer le résultat. Ici, l'équipe de recherche a travaillé bien sûr sur la magnétostratigraphie. Donc, ils ont fait un sondage par magnétoscopie. Ils ont repéré donc toutes les inversions du champ magnétique sur une profondeur de 50 mètres. Ensuite, regardez ici le problème posé pour l'exploitation de tels résultats est en fait le problème réside dans le fait que les inversions magnétiques, regardez ici à l'intérieur du carré en bleu, les inversions magnétiques se ressemblent et on ne peut pas uniquement grâce à cette carte de magnétoscopie, c'est-à-dire mettre des dates précises sur ces inversions-là parce que toutes les inversions se ressemblent. Et on est amené ici et pour faire en quelque sorte projeter la carte de temps des inversions que les scientifiques ont pu établir avec le résultat de la magnétoscopie en profondeur pour faire superposer les deux. Il a fallu recourir à d'autres techniques de datation pour avoir en quelque sens des références chronologiques exactes. Donc, l'équipe donc, a travaillé sur deux aspects. Ils ont travaillé sur la stratigraphie conventionnelle, en explorant deux sites autour du site de fouille, du site d'Aïn Hnech. Donc, ils ont travaillé sur un site A et un site B. Donc, ils ont pu quand même voir toutes les couches géologiques, stratigraphiques présentes sur ces deux emplacements-là. Ensuite, ça n'a pas suffi quand même pour donc, identifier toutes les inversions du champ magnétique. Ils ont aussi travaillé avec la technique avec une technique de datation absolue parce qu'ils ont découvert une couche qui répond bien à l'application de cette technique. Donc, ils ont travaillé par la technique RPE, donc de résonance paramagnétique électronique. Ils ont pu dater la couche qui est sous le cercle bleu à 1,92 millions d'années. Maintenant, quelqu'un d'entre vous peut poser la question, s'ils ont pu dater une couche géologique, pourquoi ils n'ont pas utilisé la même technique pour les autres couches et sont passés complètement de cette histoire d'inversion des champs magnétiques. Malheureusement, cette technique-là ne s'applique pas à toutes les couches parce qu'elle s'applique uniquement aux couches, qui répondent aux champs magnétiques, qu'ils ont certaines propriétés. Donc, cette méthode-là, la RPE, la résonance paramagnétique électronique, on ne peut pas l'appliquer à toutes les couches. Donc, en fait, aucune méthode de datation absolue ne s'applique à toutes les couches. Il n'y a aucune méthode qui s'applique à toutes les couches. Et en fait, la RPE s'applique uniquement aux couches à base de matériaux paramagnétiques chauffés, hein, très important, chauffés préalablement, chauffés au moment de la déposition à plus de 500 degrés Celsius. Ceci peut donc peut avoir lieu suite à une éruption volcanique, par exemple. Donc, ce n'est pas toutes les couches qui répondent à la datation absolue par la RPE, ce sont uniquement certaines couches. Donc, lorsqu'ils ont fait leur étude stratigraphique du sol, ils ont repéré cette couche-là qui répond bien à l'application de la RPE. Ils ont pu dater avec une méthode absolue cette couche-là. Et puis, à partir de cette référence-là, donc la RPE ici, c'est une référence, ils ont pu donc finalement placer la carte de temps qui présente les différentes inversions qui ont lieu dans l'histoire de la Terre sur les résultats de la magnétoscopie en profondeur
qu'ils ont obtenu sur site, ils ont pu utiliser, superposer les deux pour dater tous les artefacts qu'ils ont trouvés sur ce site archéologique. Le travail donc réalisé est très intéressant quand même et très bénéfique. Donc, j'ai présenté ici ce travail-là juste pour vous montrer que la datation, généralement, lorsqu'on fait la datation, on doit, comme je l'ai dit, pour le choix de la technique de la datation, on doit donc en premier lieu savoir à quelle matière on a affaire et en deuxième lieu à quelle problématique historique. Donc, c'est très important pour choisir la technique et pour faire donc valider le résultat qu'on trouve. Ici, c'est un exemple de datation réelle et pratique. Donc, on a recouru à la magnétostratigraphie, qui n'est pas une technique qu'on peut utiliser seul. Ils ont aussi donc jumelé à cette technique-là la technique de stratigraphie conventionnelle avec une technique de datation absolue par la RPE pour enfin dater et faire sortir un résultat de datation fiable. Maintenant, je passe à la présentation de quelques techniques et méthodes de datation absolue. Je vais vous présenter uniquement quelques-unes des plus importantes. Donc, la première, c'est la datation par le carbone 14. Cette technique de datation s'applique à toute matière ou espèce organique qui était vivante. On peut l'appliquer à l'os, le bois, le parchemin. Elle permet de dater jusqu'à 50 000 ans. C'est une technique qui est légèrement influencée par le changement de l'intensité du rayonnement cosmique. Aussi, ici, comme technique de datation absolue, la dendrochronologie. Donc, c'est une technique qui permet de dater les troncs d'arbres jusqu'à 10 000 ans. Et elle permet aussi la datation de l'année de l'abattage de l'arbre. Une troisième technique aussi très utilisée en datation archéologique, c'est la technique uranium-thorium, donc décroissance radioactive uranium-thorium. Elle permet de dater les matériaux de carbonate de calcium comme le corail, les coquillages, les squelettes minérales, les calcites sur paroi de grotte. Donc, c'est une technique qui permet de dater de 10 000 jusqu'à 500 000 ans. La méthode considère en fait un équilibre circulaire entre l'uranium et 238 et l'uranium 234 dans l'eau de mer, mais ceci n'est pas toujours le cas. Cet équilibre circulaire doit être vérifié avant d'appliquer cette méthode-là. Une quatrième méthode de datation absolue, c'est la méthode qui a été utilisée par l'équipe de M. Sahnouni sur le site d'Aïn Bouchret, c'est la résonance du spin électronique ou bien la résonance paramagnétique électronique, c'est la même chose. C'est une technique qui s'applique aux carbonates marins, catinaires, aux coraux et coquilles de mollusques. Elle s'applique aussi au quartz. Donc, sur le site d'Aïn Bouchret, on l'a appliqué au quartz. Elle permet donc de dater entre 20 000 jusqu'à plusieurs millions d'années. Et la dernière technique, c'est la technique qui fait l'objet de cette conférence, c'est la thermoluminescence. En fait, cette technique-là, elle permet de dater tout objet à base de terre cuite ou bien de céramique, mais, hein, très important, préalablement cuite ou bien chauffée. Donc, c'est très important. Elle permet de dater des objets de 20 000 ans si on applique la thermoluminescence conventionnelle et jusqu'à 200 000 ans si on applique la technique de luminescence stimulée par voie optique. Mais cette technique-là nécessite que l'objet soit initialement chauffé à une température de l'ordre de 500 degrés et plus. On passe maintenant à la présentation de la technique, de notre technique, la technique de thermoluminescence. On commence par donner une définition de cette technique-là. Donc, la technique de datation par thermoluminescence permet de dater tous les vestiges tels que les céramiques, les poteries, les éclats de silex,
les sculptures en terre cuite, les éléments architecturaux comme les tuiles et les pavements de sol, qui ont été chauffés et cuits. Très important, chauffés et cuits. Et qui ont, depuis cette cuisson, emmagasiné une certaine dose de rayonnement suite à leur irradiation par les rayonnements ionisants qui les entourent, hein, qui les entourent et qui sont d'origine naturelle, tellurique ou bien cosmique, et ce pendant des milliers d'années. Hein. Cette dose, la dose qui a été déposée par les rayonnements dans notre objet à dater, est récupérable sous forme de lumière qu'on peut mesurer grâce à des équipements dédiés à ce genre d'application. Donc, le chauffage en laboratoire, le chauffage de l'échantillon en laboratoire d'un prélèvement de poudre de l'objet permet de mesurer la durée d'irradiation et à partir de la quantité de lumière émise. Donc, à partir de la quantité de lumière émise, on peut mesurer la dose qui a été emmagasinée par l'objet et on peut finalement utiliser cette dose-là pour calculer l'âge de l'objet. Je vais maintenant vous présenter ce que c'est cette thermoluminescence. On prend ici l'exemple, par exemple, du quartz, parce que le quartz, c'est le matériau, l'un des principaux matériaux sur lequel se base la datation par thermoluminescence. Généralement, la technique de thermoluminescence, de datation par thermoluminescence, utilise le quartz. On arrive à extraire le quartz de l'objet pour faire cette datation-là. Donc, le quartz, lorsqu'il est soumis au rayonnement ionisant d'origine tellurique ou bien cosmique, il va en fait, bien sûr, il va être exposé pendant une durée T, qui on va voir que par la suite, on peut la confondre à un âge de notre objet. Donc, lorsque le quartz est soumis à un rayonnement pendant une durée T, il va stocker ce rayonnement-là, il va stocker de l'énergie sous forme de dose. Une fois que le quartz stocke ce rayonnement-là, le rayonnement reste stocké dans le quartz. Il reste stocké dans le quartz. Mais, en fait, si on procède au chauffage de notre quartz, si on le chauffe, on va constater que notre quartz va commencer à partir pendant son chauffage par une source extérieure, il va commencer à émettre de la lumière. Cette lumière-là émise est d'origine, bien sûr, d'origine radioactive, si en fait elle est due à la dose qui a été déposée par le rayonnement ionisant. Donc le rayonnement ionisant qui a déposé de l'énergie dans le quartz, c'est lui le responsable de l'émission de la lumière, regardez ici, l'émission d'une lumière bleue par l'échauffement de notre quartz. Et là, on va constater l'émission d'une lumière bleue. Donc, l'intensité de cette lumière-là, elle peut être liée, elle peut être corrélée à la dose qui a été reçue par le quartz, et on appelle ça la thermoluminescence. Donc, ce phénomène-là, on peut donc l'utiliser pour dater. En fait, ici, très important à savoir, l'intensité de la lumière émise par le quartz est proportionnelle à l'énergie qui a été déposée dans le quartz suite à l'exposition au rayonnement ionisant, qu'on appelle généralement dose. Maintenant, comment cette histoire de datation elle se passe par rapport au phénomène de thermoluminescence? Supposez ici que vous avez un objet qui est tout le temps, après sa fabrication bien sûr, qui est tout le temps exposé au rayonnement ionisant d'origine tellurique ou bien cosmique. Donc, on suppose que notre objet a été fabriqué en date 1 et que nous voulons le dater
dans le temps présent, donc pour une date de. Donc, notre objet entre les deux dates, notre objet a bien sûr scellé tout le temps, scellé tout le temps exposé au rayonnement. Notre objet, hein, pendant toute cette durée-là, il va emmagasiner une dose totale qu'on appelle la dose totale D. Donc, notre objet entre les deux dates, la date de fabrication et la date de datation, en fait, il va stocker une dose totale D en grès parce qu'il est tout le temps exposé au rayonnement ionisant. Cette durée, donc, entre date 1 et date 2, on peut la diviser en plusieurs unités. Généralement, l'unité, c'est l'an, c'est l'année. Donc, une unité, on va la diviser en plusieurs morceaux. Et si on arrive à calculer la dose emmagasinée, absorbée par notre objet pendant une année, ce qu'on appelle la dose absorbée par année, elle est mesurée en grès par an, on peut, à partir de là, estimer cette période qui sépare les deux dates, la date de fabrication et le temps présent. Comment ? Tout simplement en divisant la dose totale absorbée par la vitesse de l'absorption de la dose, ou bien ce qu'on appelle la dose annuelle, la dose absorbée par année. Donc, l'âge, en fait, T, c'est l'âge de l'objet. L'âge de l'objet sera égal au rapport entre la paléodose, donc la dose totale absorbée, généralement, elle est appelée par les gens, par les archéologues et les gens qui font la datation par thermolumineuse, on appelle ça une paléodose. Donc, c'est le rapport entre la paléodose, qui est la dose totale, sur la dose annuelle. Donc, gré sur gré par an, on aura des ans. Donc, et on aura notre date, ou bien notre l'âge de l'objet en an. Donc, ici, pour dater, on a besoin de déterminer deux doses. La dose totale absorbée par l'objet entre les deux dates et la dose absorbée par année. Donc, la dose totale qu'on appelle paléodose, on peut la déterminer par la thermoluminescence. Et la dose annuelle, on peut la déterminer et l'estimer à partir de la mesure de concentration de certains éléments radioactifs et de la mesure du rayonnement cosmique. Donc ici, on va utiliser des techniques de spectrométrie et de dosimétrie pour estimer ces deux doses-là, la dose annuelle tellurique et la dose annuelle cosmique. Donc ce sont les techniques que généralement on utilise pour pouvoir dater par la technique de thermoluminescence. Maintenant, le phénomène-là, le phénomène de thermoluminescence, on a vu qu'il est l'origine de ce phénomène-là, c'est l'exposition de notre objet au rayonnement ionisant qui, en fait, fait quelque chose à l'intérieur de notre objet par interaction et qui permet à l'objet d'emmagasiner ce rayonnement-là sous forme de dose et qu'on peut ensuite récupérer sous forme de lumière si on chauffe, bien sûr, notre objet. Mais le phénomène physique qui est derrière cet aspect-là d'emmagasinement de la dose a été expliqué par le modèle de bande d'énergie dans les solides. Ce modèle-là stipule que les solides sont composés de deux bandes, une bande de valence et une bande de conduction électronique. Bien sûr, lorsqu'on a affaire à un cristal réel, généralement les cristaux réels sont englobés dans leur structure des défauts. On englobe dans leur structure des défauts. Et ces défauts-là vont se manifester à travers des niveaux énergétiques entre la bande de valence et la bande de conduction. Si le rayonnement maintenant vient donc interagir avec notre objet, il va en fait communiquer une énergie à l'électron de la bande de valence, c'est un électron lié, pour le transférer à la bande de conduction. Donc, on va lui communiquer le rayonnement tellurique ou bien cosmique, on va communiquer certaines énergies à l'électronique qui va donc passer de la bande de valence vers la bande de conduction. Il va devenir libre. Cet électron-là, qu'est-ce qu'il peut faire ensuite? Il peut revenir, donc s'il
il peut revenir à la bonne devenance, donc à son état initial, comme il peut être piégé par les défauts, les niveaux énergétiques des défauts existants entre la bande de valence et la bande de conduction. Ah, ici, c'est un premier piège qui un premier niveau énergétique de piège qui est tout près de la bande de conduction. Un autre, donc, et on peut aussi récupérer cet électron-là lorsqu'on lui communique peu d'énergie pour qu'il revienne de nouveau à cette bande de conduction. Comme il peut être donc piégé par un niveau énergétique encore plus profond, et bien sûr sans la possibilité d'aller à l'état à la bande de valence. Maintenant, si on va dans le détail, l'état initial d'un cristal réel donc se présente par le modèle de bande. Donc, on a ici deux bandes, une bande de valence et une bande de conduction. On a ici tous nos électrons en bleu qui sont des électrons liés. Maintenant, si on communique de l'énergie à travers le rayon ionisant à des électrons, les électrons vont passer de la bande de valence vers la bande de conduction. Ils vont laisser derrière un trou. Ce trou-là va être capté par un centre de luminescence. Donc, le trou va être capté par un centre de luminescence, et on a un électron qui est dans la bande de conduction qui va être à son tour capté ou bien piégé par un piège dont je vous ai déjà parlé. Donc on aura cette situation. Donc après l'exposition, il y a donc des électrons qui vont passer de la bande de valence vers la bande de conduction et puis piégé ici, et le trou qui est laissé par l'électron qui a passé à la bande de conduction va être aussi piégé dans un centre de luminescence. Donc, c'est l'état après exposition au rayonnement ionisant. Maintenant, si on chauffe notre objet, on chauffe notre système, donc on va communiquer de l'énergie sous forme de chaleur à l'électron qui était piégé, donc l'électron qui est piégé, on chauffe, on a vu tout à l'heure, lorsqu'on a chauffé le quartz, on commence à émettre de la lumière. Donc ici, lorsqu'on chauffe, Que se passe-t-il à l'intérieur de notre objet, à l'intérieur de notre cristal? Donc, c'est la communication d'une énergie suffisante à l'électron pour qu'il quitte son piège. Il va donc dans un état excité pour ensuite se recombiner avec le trou qui a été créé initialement. Donc, cette recombinaison va être accompagné de l'émission de lumière. Donc la recombinaison de l'électron avec le centre de luminescence va être accompagnée d'émission de lumière qu'on a vu tout à l'heure sur le quartz. C'est une lumière bleue. Donc c'est le principe de la thermoluminescence qui est bien expliqué par le modèle en bande d'énergie des solides. Maintenant, on va essayer d'expliquer comment l'objet adapté stocke le signal de thermoluminescence. Supposons ici que vous avez fait des fouilles, vous avez trouvé des objets à base de terre cuite que vous voulez dater. Donc ces objets-là, faites très attention, pendant avant leur découverte, et juste après leur fabrication, ils ont été exposés au rayonnement cosmique et au rayonnement tellurique. Donc, le rayonnement cosmique a pour origine le rayonnement solaire, et le rayonnement tellurique vient en fait de tout ce qui est radioactivité naturelle de type alpha, bêta, gamma, émise par les radioéléments naturels existants dans le sol. OK. Et à partir de là, on peut estimer l'âge de l'objet, bien sûr, en faisant une mesure sur la dose emmagasinée par année et la dose totale emmagasinée. Et en faisant le rapport entre les deux, on peut retrouver l'âge de notre objet. Ici, je vais encore détailler comment notre objet qui, en fait, qui se trouve
sous le sol, hein, généralement des avions les trouvent sur le sol, malgré qu'on peut dater des briques extraites de murs, donc des objets qui ne sont pas enfouis en quelque sorte. Donc, mais nous, on se place dans le cas le plus difficile de datation, c'est le cas où l'objet est enfoui. Donc, notre objet, il est donc entouré du sol. Notre objet, pendant, juste après sa fabrication et jusqu'à la date de sa datation, est exposé au rayonnement cosmique, bien sûr. Le rayonnement cosmique arrive à pénétrer le sol jusqu'à 2 à 3 mètres. Donc, il est exposé au rayonnement cosmique. Il est en même temps exposé au rayonnement tellurique. Généralement, on considère une exposition autour de l'objet sur un rayon qui vaut pratiquement 30 cm. Donc, l'exposition, elle est due à toute la matière qui entoure l'objet sur un rayon de 30 cm. Donc, l'exposition ici à l'objet, elle a deux origines. On a déjà parlé de ça. Donc, une origine cosmique et une origine tellurique. Pour l'origine tellurique, on considère l'exposition sur un rayon autour de l'objet de 30 cm. Donc, le rayonnement ionisant d'origine tellurique de type alpha, bêta et gamma, et généralement ces rayonnements-là sont produits par la désintégration de l'uranium, du thorium et du potassium 40. Ok, très bien. Pour maintenant dater un objet, il faut donc se rendre compte que la datation, en fait, elle est passée par trois phases. Une première phase, c'est la phase d'accumulation du signal. Une deuxième phase, c'est la phase de collecte de l'objet. Et la troisième phase, c'est la phase de la mesure, en fait. Regardez ici, donc, supposons qu'on a, on va montrer sur le diagramme-là, sur ce diagramme-là, le mécanisme de la datation. Supposez que vous avez un objet. Ici, c'est la date de fabrication, mais avant qu'il soit fabriqué, c'était juste un minerai. Donc, si c'était un minerai, le minerai d'argile, il est aussi exposé au rayonnement solaire et au rayonnement tellurique. Donc, notre argile a emmagasiné, en fait, une certaine dose. OK. Donc, si notre argile qui va être utilisée pour fabriquer notre objet à base de terre cuite a déjà emmagasiné une dose, si on l'utilise directement et sans chauffer, donc on va commettre quand même une grande erreur par rapport à l'estimation de dose, parce que ce n'est pas la dose qui a été absorbée après la fabrication de l'objet, mais c'est une dose totale même avant, puisqu'on a utilisé l'argile directement. Heureusement ici, dans la fabrication de tout ce qui est à base de terre cuite, dans le processus de fabrication, on chauffe. Maintenant, si on chauffe, cette chauffe-là qui va servir à la fabrication de notre objet va heureusement servir à la remise à zéro de la dose, du signal de thermoluminescence, parce qu'on chauffe, donc on va évacuer tout le signal qui était dans l'argile. Donc, heureusement, c'est dans le processus de fabrication qu'on tire profit. Cette opération de chauffage va en fait nous permettre de remettre à zéro tout le signal qui était dans l'argile. Donc, le chauffage, la cuisson dans un four va nous permettre une recette. Donc, on va déterminer un temps zéro pour notre datation. Donc, ici, on avait un signal de thermoluminescence. En chauffant l'argile pour fabriquer notre objet, le signal de thermoluminescence va devenir zéro. Et à partir de là, l'objet va emmagasiner à partir de cette tasse, d'autres doses. Donc, il va commencer à emmagasiner de la dose, bien sûr, jusqu'à la date de sa collecte. Maintenant, si on arrive à déterminer cette dose-là par technique de thermoluminescence, on pourrait, bien sûr, dater l'objet juste en mesurant une autre dose qui est la dose annuelle. Donc, la détermination de cette dose-là qui a été accumulée depuis
la date de fabrication de l'objet jusqu'à sa collecte, qui est appelée dose totale ou bien dose, la paléodose, peut être donc déterminée par thermoluminescence. Hein. On montre ici un signal de thermoluminescence. Donc, c'est un signal qui, donc c'est un spectre en fait qui va nous montrer comment le nombre de photons lumineux émis par notre objet varie en fonction de la température de chauffage. Donc, on récupère ce signal-là et à partir de ce signal-là, on peut déterminer la dose qui a été emmagasinée depuis la fabrication de l'objet jusqu'à sa collecte. Les conditions, certaines conditions sont donc requises et obligatoires pour dater un objet. Donc, pour dater un objet, l'objet doit être à base de matériaux non conducteurs possédant des pièges de luminescence. Généralement, on a affaire soit au quartz ou bien le feldspath. Hein. Donc, on utilise ces deux cristaux pour dater hein, et on doit les séparer de l'objet à dater. Donc, l'objet à dater doit avoir été chauffé préalablement pour assurer le vidage de toutes les pièces, c'est le recette, donc c'est un recette dont je vous ai déjà parlé, et permettre la remise à zéro du chronomètre, hein, donc le, permettre de définir le T égal à zéro. L'objet aussi doit avoir été exposé aux rayonnements ionisants depuis sa fabrication. Bien sûr, toutes sortes d'objets sur notre globe est généralement exposé aux rayonnements, que ce soit le rayonnement cosmique ou bien le rayonnement tellurique. Donc, plusieurs types d'objets peuvent répondre à ces critères, les portraits, les terres cuites, les tuiles. Souvent, ces objets-là sont souvent chauffés à plus de 500 degrés lors de leur fabrication et permettent donc ce fameux recette, cette fameuse remise à zéro du signal de thermoluminescence. Donc l'âge, je rappelle la formule, l'âge donc, il est calculé par le rapport entre la dose absorbée totale, la paléodose, sur la dose annuelle. La détermination donc de ces deux doses-là permettra de situer chronologiquement la cuisson de l'artefact et de dater par ce fait même l'occupation du site archéologique. Maintenant, pour déterminer la paléodose, on a dit que la paléodose est mesurée en gré. Elle est due à l'exposition aux rayonnements alpha, bêta et gamma d'origine naturelle. Donc c'est la radioactivité de l'uranium-238, du thorium-232 et du potassium-40 et de leur descendant, bien sûr, parce que l'uranium et le thorium viennent de chaînes radioactives connues, ainsi que le rayonnement cosmique. Donc la paléodose, d'où vient-elle? Ses origines sont le rayonnement naturel tellurique et le rayonnement cosmique. Elle est déterminée par thermoluminescence en utilisant une méthode appropriée et un lecteur de luminescence. Pour la dose annuelle mesurée en grès par an, elle a les mêmes origines, bien sûr, c'est les mêmes origines. On peut la déterminer expérimentalement par la mesure des concentrations de l'uranium-235, du thorium-232 et du potassium-40. Bien sûr, il faut déterminer les concentrations dans l'objet lui-même et dans le sol, là, pour la dose tellurique. Donc, on doit déterminer la concentration dans l'objet et dans le sol qui entoure l'objet jusqu'à 30 cm de rayon. Et on doit aussi mesurer l'exposition au rayonnement solaire par une technique dosimétrique appropriée. Très important ici, je répète, elle est recommandée durant les opérations de fouille de prélever une partie du sol autour de l'objet à dater jusqu'à un rayon de 30 cm pour faire ces mesures-là, parce que l'objet, généralement, il subit le rayonnement du sol qui le entoure jusqu'à 30 cm de rayon. Voilà. Pour la mesure de la paléodose, on a dit que la mesure elle est basée sur l'exploitation du signal de thermoluminescence, mais le signal de thermoluminescence à lui-même ne permet pas de mesurer directement la dose. On doit recourir à des méthodes justement pour mesurer cette dose-là, parce que si on arrive à mesurer une intensité de bit,
Rien ne dit que cette tendance ici de 2000, elle est équivalente à une dose de degré. On doit quand même avoir des courbes, ce qu'on appelle des courbes ABA, qu'on utilise pour déterminer cette paléodose-là. Et ces courbes ABA, généralement, on les détermine par ce qu'on appelle les méthodes de dose additive. Donc, on va utiliser une méthode de dose additive avec une méthode qui nous permet donc de dater. Donc, il y a plusieurs méthodes qui ont été proposé pour l'extraction de la poudre à dater, parce que la poudre, généralement, elle a différentes tailles de grains. Et pour chaque taille, on sait comment le rayonnement, le transport du rayonnement va s'effectuer. Donc, ici, on va utiliser deux méthodes. La méthode de dose additive pour déterminer la dose et une méthode pour la séparation du grain. On va utiliser la méthode à grain fin de Quas, qui a été développée par Zimmermann entre 1971 et 1978. Donc ça, c'est pour ce qui est de la méthode qu'on va utiliser pour mesurer, pour déterminer cette paléodose-là. Maintenant, je vais vous présenter un exemple pratique que j'ai moi-même réalisé pendant une formation. Donc, en utilisant un lecteur de thermoluminescence, le lecteur de l'Institut d'atomique de Vienne en Autriche. Donc, l'objet qui a été daté, et en fait, c'est un morceau de brique récupéré d'un bâtiment du Xe siècle à Vienne, en Autriche. L'objet, en fait, il a été étudié dans le cadre de la formation, donc pour un objectif de formation. Regardez ici, tout à fait à droite, l'objet qu'on a daté. Donc, pour dater cet objet-là, on était bien sûr amené à mesurer la dose annuelle. Pour la mesure de la dose annuelle, on doit tout d'abord mesurer la dose cosmique annuelle. La mesure de la dose cosmique annuelle peut se faire par deux méthodes. La première méthode est basée sur des données et l'utilisation d'une formule empirique. Ici, on utilise les coordonnées de la position d'origine de l'objet pour une bonne estimation de cette dose cosmologique. Donc, on a besoin de la longitude, de la latitude, de l'altitude et de la profondeur de l'objet pour déterminer en fait cette dose cosmique. Donc, ici, les scientifiques, sur la base des données, donc GPS et de la profondeur de l'objet, ont proposé donc des formules semi-empiriques qui permettent d'estimer cette dose cosmique. Mais on peut mesurer cette dose-là expérimentalement. Comment? Donc, dans la position là où on a trouvé l'objet, et après extraction de l'objet, on peut mettre un dosimètre dans la même place, et le laisser pendant une période de 3 à 6 mois. Donc, il va emmagasiner la dose comme l'objet pendant 3 à 6 mois. Ensuite, on va mesurer cette dose-là après calibration, bien sûr. Et on pourrait donc remonter à la dose annuelle. Si on arrive à mesurer une dose sur 3 mois, on va la multiplier par 4 pour avoir la dose annuelle, disons, moyenne. Si on a mesuré la dose, si on a laissé notre dosimètre sur le site, là où la position exacte, là où on a trouvé notre objet, donc on peut mesurer la dose cosmique. Donc on a deux méthodes. Une méthode basée sur des données de base GPS avec des formules semi-empiriques et des méthodes purement expérimentales. Et là, on aura deux valeurs et on peut calculer une moyenne. Pour la dose tellurique, elle est généralement déterminée à partir d'une spectrométrie gamma. Donc ici, on est amené à déterminer la concentration de l'uranium 238, la concentration de l'uranium 232 et la concentration du potassium 40 dans notre objet et dans le sol qui entoure notre objet. Et ceci nous permettra de calculer la dose que reçoit l'objet par année. Donc, par ces méthodes-là, on peut mesurer la dose annuelle que reçoit l'objet, notre objet. Donc, ceci pour la dose annuelle. Maintenant, on doit aussi mesurer la paléodose, donc la dose totale. Ici, on va utiliser, bien sûr, la technique de thermoluminescence avec la méthode de dose additive. Donc, la méthode de dose additive va nous permettre, en fait, d'établir des courbes ABAC
qui vont nous permettre de déterminer cette dose totale ou bien cette paléodose. Pour ceci, il faut bien sûr préparer des échantillons pour appliquer la thermoluminescence. Ici, donc, on prend notre objet, notre morceau de brique, on va le gratter, on va donc faire dégager 2 mm qu'on ne va pas utiliser dans la datation. Et ensuite, on va gratter légèrement. Il faut gratter légèrement, il ne faut pas causer une chauffe de l'objet, sinon vous allez perdre votre signal de thermoluminescence. Il faut gratter doucement, il ne faut pas chauffer votre brique, il ne faut pas chauffer l'objet. Donc, on récupère généralement quelques milligrammes de l'objet. Ici, on va ensuite séparer le quartz de la matière de la matrice de l'objet. Donc, on va séparer le quartz par des méthodes de densité. On va utiliser les méthodes de densité pour séparer le quartz. Une fois qu'on a séparé une dizaine de grammes, une dizaine de milligrammes à partir d'une dizaine de milligrammes de poudre de grains, ici, je vous ai dit qu'on va utiliser la méthode de Zimmermann qui stipule qu'il faut utiliser des tailles de grains entre 1 et 8 micromètres. Donc, il suffit donc d'utiliser quelques grammes de l'objet pour extraire quelques milligrammes de quartz et si quelques milligrammes sont suffisantes pour faire la datation. Ensuite, on va déposer le quartz sur des cylindres à base d'aluminium ou bien d'acier inox. On va déposer sur chaque cylindre, c'est des petits cylindres, donc presque un milligramme par disque. Donc les disques ici, on les voit, ce sont donc des disques en acier inox ou bien en aluminium. Donc ce sont des disques de 0,9 cm de diamètre, ce sont des petits disques. On dépose le quartz dessus pour faire la datation par la méthode des doses additives. Généralement, plus le nombre de disques utilisés est grand, plus la statistique de mesure est bonne et plus la mesure de l'âge est précise. Mais il faut faire attention, toutes ces opérations dont je viens de parler, depuis le grattage, la séparation du quartz par la méthode de densité, le dépôt du quartz sur les disques de mesure, devrait se faire sous lumière inactinique pour ne pas déposer un autre signal parasite sur votre quartz. Une fois les disques préparés, on procède à la mesure des signaux TIL. Je vous ai dit qu'on va utiliser les méthodes de dose additive alpha et bêta pour générer ces courbes à bas qui vont être utilisées pour la détermination de la paléodose. Ici, dans notre exemple, on a utilisé 15 disques de grains de quartz. Donc, les premiers 5 disques ont été utilisés pour donc, l'établissement de la variation du signal TN bêta pur qui est dû au bêta pur parce qu'on fait chauffer généralement, on fait chauffer les premiers disques, les 5 disques sont chauffés. Donc si on fait chauffer les disques, le signal naturel il est évacué. Et on donne des doses à nos disques, c'est des doses, donc c'est des doses qui varient avec un pas régulier, et on trace la variation du signal TL bêta pur en fonction de la dose. Ensuite, on va prendre d'autres disques, donc les disques numérotés de 6 à 12, donc on va les prendre, et on va, sans les chauffer cette fois-ci, on va leur donner des doses variables, et ici, ça va nous permettre de mesurer un signal de thermoluminescence pour chaque disque et ça va nous permettre ici de tracer la variation du signal de thermoluminescence qui est due à l'exposition naturelle plus l'exposition bêta au laboratoire. Et ceci en fonction de la dose additive bêta. Si on trace les deux courbes à part, il faudrait que ces courbes-là soient parfaitement parallèle. Donc, c'est un critère d'acceptance ou bien d'acceptabilité du résultat. Sinon, on doit refaire, on doit obtenir deux courbes parallèles.
Ensuite, les trois derniers disques vont être utilisés pour faire la vérification de la dose alpha. Ici, on va exposer les trois disques à des doses au niveau du laboratoire à des doses alpha. Et on va tracer le signal de thermoluminescence naturelle, bien sûr, parce qu'on n'a pas chauffé, plus alpha en fonction de la dose. Ici, on doit obtenir une variation linéaire, donc une droite, qui doit passer par l'origine. Donc, c'est un critère d'acceptance du résultat expérimental. Une fois que tous ces signaux de, bien sûr, une fois que tous ces signaux sont capturés, on va les utiliser pour déterminer la paléodose. Ici, je vais, avant de présenter les courbes à bas qu'on a obtenues, je vais vous présenter brièvement les conditions expérimentales. Donc, pour la lecture du signal de thermoluminescence, généralement, on va chauffer notre disque à une vitesse de chauffage qui est de l'ordre de 5 degrés Celsius par seconde. On va le chauffer jusqu'à 480 degrés Celsius sous une atmosphère contrôlée de nitrogène ultra pur pour éviter, bien sûr, les parasites. Il faut aussi procéder à un préchauffage à 180 degrés Celsius pendant 60 secondes pour éliminer les pièces thermiques non stables et qui sont d'aucun intérêt pour la datation par thermoluminescence. Après chaque mesure de refroidissement de l'échantillon jusqu'à T égale à 80 degrés Celsius, on mesure le bruit de thermoluminescence pour le soustraire après. Le débit de dose bêta utilisé ici, donc on a utilisé une source bêta qui délivre du rayonnement avec un débit de dose de 0,365 degrés par minute. Et on a utilisé aussi une source alpha en américium de 241 qui délivre un débit de dose de 3,045 degrés par minute. Donc ce sont les conditions expérimentales. Ici, je vous montre l'équipement qu'on a utilisé. Donc, pour faire la datation par thermoluminescence, donc c'est le lecteur. Donc, on a enlevé le couvercle juste pour voir comment il fonctionne. Ici, regardez ici, on place nos disques tout autour. Bien sûr, il y a plusieurs positions. Il y a la position d'exposition au rayonnement bêta. Donc, on a une source bêta. Il y a une autre position pour l'exposition au rayonnement alpha. Il y a une troisième position pour la lecture de signal de thermoluminescence. Ici, c'est une plaque chauffante. Bien sûr, on a enlevé le couvercle parce qu'au-dessus de la plaque chauffante, il y a ce qu'on appelle le photomultiplicateur qui va mesurer le signal de thermoluminescence. Regardez ici comment on place le disque et on fait le chauffer et on récupère le signal de thermoluminescence juste après ces expositions additives. Donc, c'est le système qu'on a utilisé pour générer ou bien pour capturer tous les signaux dont on a besoin pour faire notre datation par thermoluminescence. Donc, l'opération elle est très compliquée. La préparation doit être très minutieuse pour avoir des résultats exploitables. Donc, pour une bonne exploitation de ces signaux de thermoluminescence mesurés, il faut procéder l'étape finale, il faut procéder à la soustraction du bruit mesuré à 80 degrés Celsius. Il faut éliminer tout le signal au-dessus de 180 degrés Celsius parce qu'il est dû à des niveaux de piège non stables. Donc, il faut éviter d'utiliser ce signal-là. Et en troisième lieu, il faut déterminer ce qu'on appelle le plateau de mesure. Généralement, ici, et pour notre cas, on fait une intégration du signal entre 250 et 350 parce qu'on a vu que cette gamme de température, c'est la gamme la plus appropriée pour que notre signal soit exploité pour faire de la datation par thermoluminescence. Ceci donc va nous permettre de mesurer les intensités de thermoluminescence. Ici, je vous représente tous les signaux de thermoluminescence qui ont été obtenus et la gamme
de température qui est utilisé pour mesurer les intensités TIF qui vont être utilisées finalement pour établir nos fameuses courbes APAC et qui vont nous permettre en fait de mesurer cette pariodose. Donc ici, je vous montre les différentes courbes APAC de dose qu'on a déterminées. La première en bleu, c'est la courbe APAC qui est due à l'exposition uniquement au bêta. Donc on a évacué le signal de thermoluminescence naturelle. En noir, c'est la courbe APAC donc qu'on a obtenue qui montre la variation du signal de thermoluminescence en fonction de la dose. Donc, c'est le signal ici pour la courbe en noir, c'est le signal naturel plus bêta. Et la dernière, donc courbe APAC, en rouge, c'est la courbe qui est due à l'exposition aux alpha. Donc, c'est le signal naturel plus alpha en fonction de la dose, et qui doit passer par l'origine. Ici, on voit bien qu'il passe par l'origine. Donc, les critères d'acceptabilité existent. Donc, on a les deux courbes bleues et noires parallèles et la courbe rouge qui est due au alpha passe presque par le 0,0. Donc, les critères d'acceptabilité ou bien d'acceptance des résultats existent. Et là, on peut, à partir de ces courbes APAC, déterminer la pariodose. La pariodose, très simplement, donc, c'est la distance qui sépare en pas. Les deux courbes, c'est la distance qui sépare les deux courbes. La courbe en bleu, signal de thermoluminescence bêta pure. La courbe en noir, signal de thermoluminescence naturelle plus bêta pure. Donc, ceci va nous permettre de déterminer la pariodose. Ici, la valeur déterminée est presque de 6,003 grays. Donc, on a déterminé la pariodose. Ceci va nous permettre de déterminer aussi l'âge. Finalement, donc, on va pour la mesure de l'âge, en plus de la pariodose, on doit déterminer la dose annuelle. La dose annuelle ici, elle a été déterminée par les techniques de spectrométrie gamma et de dosimétrie. Donc, on a mesuré les doses ici, regardez, la dose alpha, la dose bêta, la dose gamma annuelle bien sûr, la dose totale, elle est ici évaluée à 6,661 mg par an. Donc, on a déterminé ici la dose annuelle en plus de la dose totale, la pariodose. Ceci, et en prenant le rapport, on peut donc obtenir l'âge. L'âge déterminé, donc, il est aux alentours de 1036 ans, plus ou moins 36. Donc, cet âge-là nous permet de dire que notre objet a été fabriqué en 979 après Jésus-Christ. Donc, la date déterminée, regardez ici, donc la date déterminée, elle est de 979, et on a dit que le morceau de brique a été extrait donc, d'un mur d'un bâtiment qui date du 10e siècle. Donc, il est évident, il est très clair que l'âge mesuré concorde et bien avec l'âge connu. Et ceci prouve l'exactitude et la précision de cette technique de datation par thermoluminescence. Donc, on vient donc de voir un exemple très pratique et un exemple qui élucide bien le pouvoir de datation par thermoluminescence pour la datation de tout objet à base de turquoise. Avant de conclure, je tiens tout simplement à redire que notre laboratoire, le laboratoire dosage, analyse et caractérisation de l'Université Farhat Abbas Dakhan, dispose d'un lecteur encore plus sophistiqué que celui qu'on a utilisé dans l'exemple qu'on vient de voir. Donc, c'est un lecteur de luminescence très puissant qui permet donc de dater par thermoluminescence tout objet à base de turquoise. Cet équipement-là n'est pas dédié uniquement à la datation archéologique. On peut aussi l'utiliser pour la dosimétrie médicale. On peut aussi l'utiliser pour la détection des aliments
RAD, et on peut l'utiliser pour toute recherche sur la luminescence, le développement des ondes d'osimètre, la caractérisation de matériaux luminescents et tout ça. Donc, c'est un équipement quand même qui permet pas mal d'applications. Et qu'on peut bien sûr le mettre à votre disposition pour faire des datations archéologiques par thermoluminescence. Il a été, je vous informe qu'il a été utilisé pour dater des artefacts autour de la région de ce type dans le cadre de projets de thèse de doctorat et le résultat était très satisfaisant. Comme conclusion, je tiens seulement à dire que la datation par les techniques de thermoluminescence demande une manipulation complexe et un travail minutieux pour la préparation des échantillons. Donc, la préparation des échantillons, je le répète, est très importante pour obtenir un âge précis. La thermoluminescence peut donc dater des événements postérieurs à 20 000 ans. Elle est utilisée notamment pour dater les pierres de foyer, la céramique, et les traces d'incendie. On peut même dater des traces d'incendie. Si on soupçonne, par exemple, qu'il y a eu un incendie dans un site à Turquie. Finalement, je tiens tellement à préciser et à le dire que notre laboratoire DAC de l'Université Ferhat Abbas Steph 1 est en mesure d'assister le secteur d'archéologie du patrimoine culturel pour mener ce genre de datation et même pour mener donc des analyses qui peuvent servir à la restauration et à la préservation de pas mal d'objets archéologiques et du patrimoine culturel. Sur ce, je termine et je vous remercie infiniment pour avoir suivi cette conférence et j'espère que vous saurez tirer profit. Merci infiniment. Shukran. Jazeera.